Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va attendre que quelques personnes se connectent et puis on va démarrer. Bonsoir, assistant 385. Bonsoir. Vous m'avez fait une demande pour rentrer dans la vidéo. Pourquoi vous m'avez fait une demande pour rentrer dans la vidéo? En fait, j'ai pas compris votre demande. Pourquoi vous voulez rentrer dans la vidéo? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Comment allez-vous? On est jeudi soir et depuis quelques semaines, je fais l'effort de passer en live les jeudis soirs. Bonsoir Marcel, je fais l'effort de passer les jeudis soirs en live. Donc ce soir, on est jeudi. Il est 21h, donc je suis là pour notre live de ce soir. La vidéo d'aujourd'hui, je la fais par rapport à une question que j'ai reçue dans la semaine. J'aime bien m'inspirer au fait des. J'aime bien m'inspirer au fait des questions que je reçois pour pouvoir répondre au fait, pour pouvoir faire mes vidéos. C'est important parce que je pense que les questions que je reçois, quand je les prends, quand je les transforme en vidéo, ça peut aider un plus grand nombre de personnes. Parce que oui, c'est une question qui m'a été posée dans le privé. J'ai répondu à la personne. Mais le ramener sur publiquement, ça peut aider d'autres personnes qui sont dans la même situation et qui ne savent pas au fait comment faire. Alors la question que j'ai reçue cette semaine, c'était Noélie, je doute beaucoup de moi. J'ai du mal à prendre des décisions. Comment je peux faire au fait pour sortir de cet engrenage au fait? Voilà. Noélie, je doute beaucoup de moi, énormément de moi. Je n'arrive pas à faire les choix, je n'arrive pas à faire les choses. Bon, coucou Kate. Bon, voilà. C'est une personne au fait qui a un sérieux problème au fait de confiance en soi. La personne doute constamment au fait. Donc, elle me posait la question, comment je peux faire pour arrêter ce cycle? Comment je fais pour sortir de là? J'ai répondu à la personne, mais là, on va en reparler ce soir. Peut-être que ça va vous aider. Peut-être que vous vous retrouvez dans la même situation au fait que cette personne, vous doutez énormément de vous. Quand on entend de parler de doute, ce soir, quand je parle de doute, je ne suis pas au fait en train de parler du doute qui t'arrive seulement quand tu es devant une situation, quand tu veux prendre une décision. C'est normal. Quand on est face à un choix, souvent, en fait, il y a la peur qui est là. On hésite. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que? C'est normal, ça peut arriver. Mais le doute dont je suis venue parler ce soir, c'est ce doute qui va au-delà au fait de des choix que tu vas faire. C'est le doute qui te ramène sur toi-même. Donc, c'est-à-dire, tu arrives à un niveau où tu doutes même de ta propre personne. Et ça devient dangereux, au fait. Quand tu arrives à douter de ta propre personne, c'est compliqué. Avoir le doute devant une... Bonsoir, Christelle. Avoir le doute devant une situation, c'est une chose. Mais que ça pousse plus loin, arriver au point où tu as des doutes envers toi-même, ta personne. Là, ça montre en fait un sérieux problème de fond que tu as. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noélie Panda. Je suis la personne qui est derrière cette plateforme. Quand vous allez remarquer, la plupart du temps, en fait, je parle de ces problèmes qui ont attrait à votre vie de l'intérieur. C'est parce que c'est mon travail. Je suis une conseillère en relation d'aide. Et mon travail, c'est d'accompagner au fait des personnes qui ont vécu des histoires lourdes, des histoires, des traumatismes, des choses compliquées. Pour pouvoir passer à autre chose, de pouvoir les aider au fait à guérir dans leur processus de guérison, de reprendre leur vie en main et de passer à autre chose. Alors, quand je parle de doute, c'est normal, je parle au fait de quelque chose qui a trait à ta vie de l'intérieur. Pourquoi tu en arrives à ce point où tu as peur de toi-même, au fait? Tu as peur de tout. Tu n'as aucune confiance en toi-même. Tu doutes même de ta propre personne. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je ne suis pas assez bien? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Est-ce que je suis jolie? Est-ce que je suis intelligente? Est-ce que je suis capable? Est-ce que? Donc finalement, qu'est-ce que ça fait? Mais ça te paralyse parce que tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit.
Je ne suis pas en, quand je me répète, je ne suis pas en train de parler du doute qui vient quand tu veux faire un choix, parce que ça nous arrive à nous tous, au fait. Quand tu es devant une grande décision, surtout des décisions, en fait, qui engagent ta vie, je prends un exemple simple. Quand tu veux prendre, au fait, la décision de rentrer dans le mariage, en fait, tu es en train de prendre une décision qui va complètement bouleverser ta vie, en bien ou en mal, au fait. Donc, c'est normal qu'il y a ce doute, qu'il y a cette peur qui est là. C'est normal. Mais quand tu arrives à douter, dans le sens où savoir est-ce que je suis une bonne personne pour pouvoir me marier, là, ça démontre un autre problème, en fait. Ça demande un problème d'identité. J'en ai parlé déjà la semaine dernière dans la vidéo que j'ai fait. D'ailleurs, toutes les semaines, quand je viens, je reviens pratiquement sur les mêmes thèmes. Parce que ce sont ce genre de choses, au fait, qui vous causent des problèmes au quotidien dans votre vie. Une personne qui en arrive, au fait, à douter d'elle-même, de son existence, voilà, de pourquoi elle est là, de ce qu'elle vaut, de ce qu'elle représente, on a une personne qui a un sérieux problème d'identité. Et quand on parle d'identité, ça peut aller encore plus loin, en fait. Plus loin. Ça repart dans la construction de l'enfant, où je parlais la dernière fois, j'étais en train de parler de l'estime de soi, de ces choses, au fait, que se crée en nous avant nos 6 ans. Je crois qu'il y a 2 semaines où j'étais en train de parler de ça, que les spécialistes disent qu'il y a un certain nombre de choses qui se créent en nous avant nos 6 ans. Et quand ces choses ne sont pas, au fait, assises, ça devient très compliqué pour la suite. Donc, on va voir, en fait, une personne qui va grandir, qui va devenir un adulte, mais qui est complètement perdue dans son existence. La personne ne sait pas, en fait. Je ne sais pas qui je suis. Est-ce que j'ai bien fait d'être là? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je mérite ci? Est-ce que je vaux ceci? On se retrouve devant un problème d'identité. Et sciemment, au fait, dans ce problème d'identité, on va aller encore plus loin. Cela peut nous ramener, au fait, devant un problème d'estime de soi. Et si on fouille bien dans ce problème d'estime de soi, on va se rendre compte, non, qu'il y a une cassure depuis le départ. Et ça peut nous ramener, au fait, vers les blessures intérieures, en fait. Des choses que tu traînes, au fait, depuis ton passé. Des choses que tu as vécues, qui ont fait que tu t'es perdu toi-même, en fait. Tu t'es perdu, tu ne sais pas qui tu es. Ça m'arrive constamment dans mon travail de me retrouver avec des personnes quand tu leur poses la question, mais tu es qui? Comment tu te vois? Quelle est l'image que tu donnes de toi-même? Quel est ceci? Quel est cela? Quel est cela? Quel est cela? La personne est perdue. La personne est même incapable de te dire la couleur qu'elle aime ou qu'il aime, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui étaient cassées dans la personne depuis le départ. Vous voyez la personne bien à l'extérieur, qui fait les choses comme une personne normale. Mais au fond, il y a une grande cassure qui est à l'intérieur de la personne qui fait que bah, le moindre petite chose, au fait, devient un calvaire. Parce que la personne est complètement perdue. La personne ne se sent pas le droit d'être là, d'exister. Et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Bonsoir, Yaya. Comment ça va? C'est compliqué, au fait. Je doute de moi-même, constamment. Je doute. Pas le doute lié au choix que tu vas faire, mais le doute lié à ta propre personne. Ça nous démontre beaucoup de choses, au fait. Pourquoi tu ne te sens pas le droit d'être là, d'exister, voilà, d'être la personne que tu es? Pourquoi, au fait, pourquoi, au fait, ce doute que tu as à l'intérieur de toi, ben, montre, au fait, qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas à l'intérieur de toi. Pour pouvoir sortir de là, c'est pas juste, au fait, des clés toutes faites, au fait, qu'on va te remettre, ah non, il faut faire A plus B et puis tu vas sortir de là. Non, il va falloir que tu t'assieds pour que tu te poses des bonnes questions. Parce que pour que tu en arrives à ce genre d'extrémité, ben malheureusement, il a dû se passer beaucoup de choses. Et souvent, au fait, tu retrouves les traces dans ton enfance. Je l'ai toujours dit depuis que j'ai commencé les lives ici, la plupart des questions que vous posez dans vos vies, sur vous, sur la personne que vous êtes, au fait, ne sont pas loin. Allez fouiller dans votre histoire, allez fouiller dans vos passés. Allez fouiller, 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 et vous allez, bonsoir Jésus ma vie, vous allez fouiller, vous allez vous rendre compte que bah, beaucoup de choses sont passées au fait depuis que vous êtes enfant. Parce que bah, quand vous êtes enfant, vous avez grandi dans un environnement, vous étiez avec un certain nombre de personnes au fait, bah, qui ont mis un certain nombre de choses à l'intérieur de vous. Je le disais tantôt, il y a un certain nombre de choses qui se créent en vous avant vos 6 ans. Qu'est-ce que tu as reçu dans cette période-là? Parce que tu as ton entourage, là où tu as grandi. Ça peut être les parents, les personnes avec lesquelles tu as grandi qui est là, l'environnement familial. Tes propres parents, d'autres personnes n'ont pas grandi avec leurs parents biologiques, au fait. Donc, ce qui fait que bah, ça va être les personnes, au fait, avec qui ils ont grandi. Ça peut être une tante, un oncle, voilà, un cousin, bref, un tonton.
L'environnement dans lequel tu as grandi, au fait, te conditionne. Beaucoup d'enfants se sont perdus, beaucoup d'enfants devenus adultes aujourd'hui sont perdus en chemin parce que ils ont reçu de très mauvaises choses, au fait, dans leur environnement dans lequel ils ont grandi. Ça peut être dans l'environnement familial, ça peut être même avec les parents. C'était quand? Hier ou avant-hier, mardi, j'étais en live, au fait, sur YouTube. Et puis, j'étais en train de dire aux gens, vous savez, vous avez reçu beaucoup de choses depuis que vous êtes enfant. Mais à l'intérieur de ce que vous avez reçu, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Et il va falloir que vous vous asseyez pour faire le tri, en fait. Bonsoir, le bon cœur, bon, voilà, excusez-moi, bonsoir, coucou à la personne qui vient d'arriver. Vous avez reçu beaucoup de choses. Et à l'intérieur de ces choses, il y a des bonnes choses comme il y a des mauvaises choses. Quand tu en arrives, au fait, toi personnellement, si tu restes dans cette vidéo, c'est parce que le sujet te concerne. Si tu te rends compte que tu doutes beaucoup de toi, il va falloir que tu t'assieds. Que tu t'assieds, que tu te poses les questions. C'est quoi ces choses que j'ai reçues depuis enfant? Ça peut être des paroles que tu as reçues. Oui? Des paroles au fait qui ont l'air souvent anodins. C'est ce que souvent je dis aux parents. Je dis aux parents, arrêtez de confesser les mauvaises choses sur vos enfants. Parce qu'un enfant qui arrive dans un qui est dans un environnement à qui on dit tout le temps tu es bête, 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 tu es bête. À un moment donné, c'est normal que cet enfant arrive au niveau où il commence à douter de sa, voilà, de sa propre personne, au fait, de qui il est, au fait. Quand tu arrives, que tu es dans un environnement où tu dis, un exemple simple, surtout pour les filles ou les femmes, tu es vilaine, tu es vilaine, tu es vilaine, tu es vilaine, tu es vilaine. Cette fille peut avoir toute la beauté du monde, elle ne va jamais croire qu'elle est jolie parce que ces personnes qui sont autour d'elle, ces personnes qui l'ont vue grandir, ces personnes qui sont en autorité, oui, ces personnes qui sont en autorité au fait sur lui ou sur elle, ont mis des choses en elle qui l'ont classée. C'était l'année dernière, je travaillais avec une dame. Et c'est fou parce que c'était une dame qui a pratiquement moi, la trentaine aujourd'hui. Elle a la trentaine, mais elle avait reçu une parole de son père il y a, elle avait peut-être 5 ou 6 ans. Vous imaginez, elle a pratiquement 30 ans maintenant. Mais une parole qu'elle a reçue quand elle avait 5-6 ans, ça l'a suivie jusque-là. Parole banale. Son père lui a dit, tu vaux rien. Tu ne vaux rien. Peut-être que papa, si on repart vers le papa aujourd'hui, il a déjà oublié au fait ce qu'il a sorti. Mais jusqu'à maintenant, cette parole sur cette fille est, à chaque fois qu'elle s'apprête à prendre des décisions importantes pour sa vie, à chaque fois qu'elle commence, elle veut vouloir en fait faire un projet, passer un concours, faire quelque chose pour sa propre vie, ses paroles reviennent dans sa tête et automatiquement, en fait, elle se retrouve paralysée. Elle commence à douter d'elle-même. Non, au fait, on m'avait dit au fait que je ne valais rien. On m'avait dit que je ne valais rien, donc voilà. C'est pas la peine, je vais échouer, donc voilà. Elle s'est conditionnée au fait. Donc, si tu te retrouves dans ce cas, dans ce problème de doute dont je te parle aujourd'hui, il faut que tu t'asseyes pour faire le tri, faire le ménage dans les choses que tu as reçues. Il est temps que tu t'asseyes. Là, on est à la fin de l'année. Beaucoup sont en train de commencer à rentrer dans beaucoup d'activités. Moi, je pense que c'est le moment pour toi que tu puisses t'asseoir avec toi-même et te poser la question, pourquoi ma vie est dans cet état? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je doute autant de ma propre personne, au fait? Parce que c'est pas normal. Si tu doutes de toi, au fait, qui va pouvoir croire en toi, au fait? Si tu doutes à ce point de toi-même, qui va pouvoir croire en toi? Ça va être difficile pour toi de pouvoir avancer dans la vie comme ça. Ça va être difficile de pouvoir lancer des projets. Ça va être difficile, au fait, de faire tout ce que tu as à faire dans cette vie si tu n'arrives pas à croire en toi-même. Et tu ne vas, peux pas attendre, au fait, que les autres puissent croire en toi. Non. Parce que c'est toi qui donnes l'impulsion, en fait. Et pour que tu puisses donner cette impulsion, il va falloir que tu règles un certain nombre de choses dans ta propre vie. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu t'acceptes et que tu te dis, c'est quoi ces choses que j'ai reçues depuis enfant qui me polluent la vie maintenant? Pourquoi tu doutes autant de toi? Parce que si tu doutes autant, en fait, si tu doutes autant de toi-même, tu as forcément reçu quelque chose. Ça peut être une parole. Ça peut être un geste qu'on a posé vis-à-vis de toi. Ça va être quelque chose, au fait, qui est là au fond de toi. Peut-être que tu banalises. Peut-être que tu as occulté. Peut-être que tu as mis de côté tout ça. Mais ce n'est pas parce que tu as mis ces choses de côté que ça n'existe pas, au fait. Parce qu'en réalité, ça te cause des problèmes maintenant. Chaque comportement dysfonctionnel que tu as démontre, en fait, une faille à l'intérieur de toi. Je répète, chaque comportement dysfonctionnel que tu as au quotidien démontre une faille qui est à l'intérieur de toi. Et pour pouvoir mettre au fait un nom sur cette faille, il va falloir
Bonsoir Estelle. Il va falloir en fait que tu repars dans ta propre vie, dans ta propre histoire, dans les choses. Bonsoir Charlène. Il va falloir que tu repartes en fait dans ton histoire. Toutes les choses, les clés, toutes les réponses que vous cherchez souvent dans vos vies actuellement, par rapport à l'état de vos vies actuellement, ne sont pas loin. Ils sont juste bonsoir le bon. Bonsoir Naomi. Voilà Naomi. Bonsoir Naomi. Toutes les choses, au fait, la plupart des réponses que vous cherchez dans vos vies par rapport au comportement dysfonctionnel que vous avez maintenant, elles se trouvent dans votre propre histoire. Mais est-ce que vous avez le courage nécessaire de vous asseoir, en fait, et de se dire, mais voilà, depuis que j'étais enfant, j'ai vécu telle chose, j'ai reçu telle parole, il s'est passé telle chose. Parce que l'ensemble de tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as vécu, c'est ça qui fait la personne que tu es aujourd'hui. Donc, si on veut pouvoir réparer un certain nombre de choses en toi, dans le présent, on est obligé au fait de repartir dans le passé pour aller chercher à comprendre en fait, ce qui s'est passé. C'est quoi ces paroles que tu as reçues? C'est quoi ces choses qui se sont passées que tu as banalisées, que tu as mis de côté? Tu te dis non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. T'as vu Noélie, c'est le passé. On va pas encore vraiment aller fouiller dans le passé. On va pas ressasser les anciennes choses. En fait, je ne te dis pas au fait d'aller ressasser. Bonsoir, bonsoir. Moi, je sais. Oui, au fait, bah oui, il faut que tu t'asseyes, au fait, Naomi. Il faut que tu t'asseyes. Il faut que tu fasses le tri dans ton passé. Assieds-toi. Je t'assure que si tu t'assois dans le calme avec toi-même et que tu commences, au fait, à fouiller, tu vas trouver. Parce qu'une personne normalement constituée, tu nais au fait avec quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a ce réservoir émotionnel qui est là avec lequel tu es né. Maintenant, qu'est-ce qu'on a mis dans ce réservoir-là? Ce réservoir est censé être rempli avant tes 6 ans par un certain nombre de choses que tu as reçues autour de toi. Alors, il va falloir que tu te demandes, mais qu'est-ce qu'on avait mis à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que mes parents ont mis? Qu'est-ce que mon entourage a mis? Qu'est-ce que l'école a mis? Parce que par moments, ce n'est même pas la maison. Par moments, c'est l'école, au fait, qui nous casse. Peu importe l'endroit où fait que tu es cassé, sache que non, il s'est passé quelque chose. Et il va falloir que tu arrives à mettre la main, le doigt sur ce problème bien précis là, au fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a, à un moment donné, ça a basculé. Il s'est passé un truc. Et à partir de là, pas, les choses ont basculé dans ta vie. Je t'assure. Si tu es assez courageuse, tu vas te rendre compte que oui. Depuis le jour au fait qu'il s'est passé telle histoire, depuis le jour où telle personne m'avait dit telle chose, il y a quelque chose qui s'est cassé à l'intérieur de moi, en fait. Et quand maintenant tu vas réussir au fait à trouver ces choses, cette parole, ces situations, ces choses au fait qui t'ont cassé, tu peux passer à la deuxième étape. Parce que quoi? Tu ne peux pas réparer une chose que tu n'as pas d'abord identifiée. Tu sais juste que non, tu as un problème de doute terrible. Tu doutes de ta propre personne, en fait. C'est le premier pas. Mais ce n'est pas tout. C'est juste, au fait, c'est juste l'aspect, c'est juste l'extérieur. Ça cache un problème de fond. Depuis petit, tu as toujours eu peur de tout et de rien. Si tu regardes bien, il faut voir maintenant. Parce que quand on est petit, c'est normal qu'on a peur. Est-ce qu'on t'a encouragé à faire les choses? Est-ce qu'on t'a laissé te déployer? Est-ce qu'on t'a laissé faire tes propres erreurs? Ou tu as été l'enfant qu'on a couvé, au fait? L'enfant qu'on a dit non, souvent on a des parents qui sont comme ça. Les parents, au fait, ils pensent qu'ils le font bien. On couvre l'enfant, on le couvre. Faut pas faire ceci, faut pas faire cela, faut pas faire cela, faut pas faire cela, en croyant le protéger. Mais de l'autre côté, on est en train de le fragiliser parce qu'il va grandir. Et c'est un enfant qui va avoir peur de tout. Parce qu'on ne l'a pas appris à affronter les situations, en fait. Donc, la personne ne sait pas comment affronter les choses dures. La personne ne sait pas comment affronter l'adversité. La personne ne sait pas, 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 en fait. C'est un exemple. Je ne dis pas forcément au fait que c'est ton cas, au fait. Par moment, qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut être un problème d'abandon. Tu as été abandonné, tu t'es retrouvé livré à toi-même et ça a laissé, au fait, ce vide à l'intérieur de toi, au fait. Donc, il y a tellement de situations qui nous sont arrivées qui peuvent, au fait, qui peuvent nous déstabiliser de l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir et chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant qui a peur, c'est normal. Mais oui, mais quand il y a eu cette peur, qu'est-ce que les parents ont fait au fait? Qu'est-ce que tes parents ont fait pour pouvoir combler cette peur? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est à ce moment-là où tout se joue au fait.
Parce que chaque enfant arrive dans le monde, au fait, avec son tempérament, avec sa manière d'être. Il y a d'autres enfants qui sont plus peureux que d'autres. Mais maintenant, c'est aux personnes, aux adultes qui sont autour, de pouvoir investir un certain nombre de choses dans cet enfant pour, au fait, l'équilibrer, pour lui dire non, tu n'as pas besoin d'avoir peur. La vie, c'est comme ça. Tu vas tomber. Tu vas faire de mauvais choix. Tu vas connaître l'échec. Tu vas faire ceci. Mais ce n'est pas la fin de ta vie. Tu dois continuer. Alors, c'est quoi ces paroles que tu as reçues? Est-ce qu'on a nourri tes peurs ou on t'a aidé vraiment au fait à affronter tes peurs, à aller à autre chose? C'est un exemple simple que je donne. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est un exemple que je donne. Maintenant, tu as grandi. Tu as grandi, il faut que tu fasses le tri. Avant, oui, on peut comprendre que non, il s'est passé telle chose, on a mis des choses, beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Maintenant, tu es venu, tu es devenu grand et tu te rends compte que au fait, ben voilà, il y a quelque chose qui va pas au fait. Je doute constamment de moi. Une personne qui doute de lui au fait, au fond, c'est une personne qui a une mauvaise image d'elle-même au fait. Demain, je crois non, c'est mardi, j'ai parlé de ça, changer la perception qu'on a sur soi-même. Une personne qui doute d'elle-même, c'est une personne qui a une mauvaise image, une mauvaise perception de sa personne. Alors, comment es-tu en arrivé au fait à cette extrémité d'avoir une mauvaise image de ta propre personne? Il s'est passé un certain nombre de choses qu'il va falloir que tu ailles trier. Maintenant, quand tu vas les trier, jusqu'à présent, ça joue sur moi. J'ai peur d'esprit non plus. J'ai peur des choses. J'ai peur qu'on me juge. J'ai peur. Ah! Je sais pas, Naomi, il y a une vidéo que j'ai faite, je crois, il y a 2 semaines, là en replay, où je parlais du regard des autres, au fait, comment se sortir de ça, là, en fait. Donc, quand tu vas finir, je pense que regarder ces vidéos-là, les vidéos qui sont en replay, ça va vraiment, en fait, t'aider à pouvoir comprendre ce qui t'arrive. Ça, là, ce que je suis en train de voir, là, ça demande beaucoup de choses. Je pense que la vidéo, là, va t'aider. Et si tu peux aller même sur ma chaîne YouTube, essaie de regarder au niveau même peut-être de la blessure de rejet. La blessure de rejet. Et regarde, regarde, regarde. Je pense que ça va vraiment t'aider à comprendre. Parce que c'est important d'abord que tu comprennes ce qui t'arrive. Ce n'est qu'après que tu peux traiter le problème. Tant que tu ne comprends pas au fait ce qui t'arrive, ça va être difficile. J'ai peur de m'exprimer en public. J'ai peur des gens. J'ai peur qu'on me juge. Je passe mon temps à vouloir plaire à tout le monde. Regarde en replay. Tout ce que tu viens de me citer là, j'en ai parlé dans une vidéo. Où est-ce que je l'ai perdu? Je crois que je l'ai perdu. Hein. C'est la vidéo que j'avais perdue. Ça ressemble beaucoup au fait à une personne qui souffre au fait de la blessure de rejet dans sa vie. Une personne qui a un problème au fait avec le rejet, c'est une personne qui a beaucoup peur en fait, qui trimballe énormément de peur, la peur des gens, la peur des jugements des autres. On fait tout au fait pour plaire aux gens. On ne veut surtout pas au fait être en accroc avec les gens. On ne veut pas au fait faire des vagues. On ne veut pas faire du bruit. On ne veut pas faire ceci. On ne veut pas faire du ça. Voilà. Ça démontre vraiment au fait un problème de blessure, de rejet au fait que tu traînes au fait, Naomi. Donc, fouille bien en fait, s'il n'y a pas eu un souci de rejet au fait dans ton histoire. Oui, la peur de se tromper, la peur de réussir, tout, ben oui, tout, tout. Souvent en fait, on parle souvent de la peur d'échouer. Non, il y a des gens qui ont peur en fait de réussir. Et moi, c'était mon cas pendant des années. Moi, je n'avais pas peur d'échouer. Non, non, j'avais peur de réussir. Peur de réussir pour que, parce que je me rends compte que quand tu décides d'être toi, quand tu t'acceptes tel que tu es, quand tu le découvres, tu t'acceptes tel que tu es et que tu commences à marcher dans ton couloir, forcément, au fait, tu as une particularité au fait qu'à un moment donné, qui va attirer le regard sur toi. Et une personne qui souffre au fait du rejet, c'est une personne qui n'a pas forcément envie d'attirer le regard sur elle ou sur lui. Donc, la personne va se dire, vaut mieux que je reste tranquille. Je ne fais rien comme ça, je n'attire pas de regard. Parce que si tu attires le regard, tu vas attirer des bonnes choses, mais tu vas attirer aussi comment ça s'appelle, le jugement, tu vas attirer les critiques, tu vas attirer plein de mauvaises choses sur toi. Et souvent, en fait, on a peur de ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne fait rien. On ne fait rien, en fait. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on parle de moi. Je ne veux pas, en fait. Je pense que la peur m'a tout volé. Oui, la peur, en fait, c'est un voleur. La peur, c'est un voleur. La peur vole énormément de choses dans vos vies, au fait. Donc, avant même de commencer à attaquer cette peur, eh ben, parce que cette peur a été engendrée par quelque chose.
Il faut absolument, Naomi, que tu arrives à trouver ce qui a mis cette peur à l'intérieur de toi, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu vas trouver ça et que tu vas d'abord commencer à guérir de ça, c'est après maintenant, parce que la peur, en fait, c'est dans la reconstruction. Je l'avais dit dans une des vidéos, au fait que j'avais fait, je disais, dans le processus de guérison, il y a deux choses. Il y a d'abord guérir. Bonsoir, Père de Jésus. Il y a d'abord guérir. Et puis se reconstruire. Quand on arrive au niveau de la peur, ça veut dire que là, on est dans la reconstruction. La peur, en fait, n'est pas d'abord un esprit. La peur est une émotion que tu ressens. Et cette émotion est liée à quelque chose. Elle est liée à cette chose que tu redoutes tant, en fait. J'ai des potentiels, mais je ne veux pas, en fait, je ne veux pas travailler, je ne veux pas le montrer parce que on va me juger, parce qu'on va me dire que non, je ne suis pas assez bien, parce qu'on va me dire ceci, parce qu'on va me faire cela, on va me faire cela. La peur des autres, en fait. Mais cette peur des autres vient d'où, en fait? Elle ne vient pas comme ça. Elle vient de quelque part. Cette peur que tu as des autres vient de quelque part, en fait. Pourquoi tu as autant peur, en fait, de déplaire aux autres? Pourquoi le regard des personnes est aussi important pour toi? Pourquoi tu n'imagines même pas en fait que les autres personnes peuvent être en désaccord avec toi, avec ce que tu es, avec ce que tu représentes en fait? Pourquoi? Souvent, ça revient de très loin. Très loin, j'ai connu en fait la blessure de rejet. C'est celle qui m'a le plus en fait souffrir dans ma vie. Le rejet, c'est ce truc que tu vis tellement à la fin, tu te dis, au fait, j'ai besoin qu'on m'aime. J'ai besoin qu'on me valide. J'ai besoin d'approbation. J'ai besoin, en fait, de savoir que je suis une bonne personne. Donc, je ne veux surtout pas frustrer les autres. Je ne veux surtout pas faire de vagues. Je ne veux pas être, voilà. J'ai juste besoin qu'on m'aime. Donc, vu que tu es, en fait, dans ce trou qu'on t'aime, et là, on rentre dans ce qu'on appelle une dépendance, en fait. Vu que tu es dans ce spirale dans lequel il faut qu'on m'aime, il faut qu'on m'aime, il faut qu'on m'aime, mais tu vas tout faire pour qu'on t'aime. Jusqu'à aller renier la personne que tu es, au fait. Parce que par moment, tu vas te dire, non, je vais commencer à faire des vidéos. C'est un exemple que je donne. Je vais commencer à faire des vidéos. Mais tu as tellement peur de ce que les gens vont dire. Les gens vont dire, ouais, mais qu'est-ce qu'elle croit? Pourquoi elle fait ci? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Tu suis ça et puis tu ne fais rien. Les années passent. Tu ne fais rien. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et les années passent. Et les années passent. Et les années passent. Et les années passent. Et qu'est-ce qui va se passer au fait? Finalement, tu vas vivre une vie de frustration. Une vie de frustration. Et tu vas finir au frais vraiment dans la jalousie. Tu vas finir dans la haine. Tu vas finir dans les mauvaises choses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réussi à assumer la personne que tu étais. Pire, tu n'as pas appris à découvrir qui tu étais. Tu étais tellement préoccupé à plaire aux autres que tu ne cherches même pas à savoir qui tu es, en fait. Parce que quand tu cherches à savoir qui tu es, je t'assure que tu sauras au fait que tu es différent, différente, et que tu n'es surtout pas là pour ressembler à qui que ce soit. Vous voyez, on est souvent sur les réseaux sociaux. Là, vous êtes sur Insta avec moi. J'ai ma particularité. Voilà, j'ai ma particularité. Chacun parle des sujets au fait qui lui tient à cœur. Mais moi, j'ai ma particularité qu'il a, qui me définit des autres personnes. Pas que les autres ne sont pas bons. Non, 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 non. Mais ils sont juste eux. Moi, je suis moi. Et j'accepte ça. J'accepte au fait que les sujets dont je parle, au fait, ne plaisent pas à tout le monde. J'accepte que non, ce ne sont pas des sujets qui sont populaires. J'accepte que non, voilà, je ne ferai pas l'unanimité. J'accepte que ben, y a des gens qui vont me critiquer, qui vont faire ça, qui vont faire ça. Mais et que moi, ça ne va rien me faire. Parce que c'est pas que je m'en fous, mais pour dire que, en fait, je suis moi, en fait. Quand tu apprends à te découvrir, je le disais cette semaine sur ma page Facebook, le travail que tu es censé faire sur ta vie, c'est quoi? Premier travail, il faut que tu apprennes à te découvrir. Quand tu te découvres, tu apprends à t'aimer. Quand tu apprends à t'aimer, tu apprends à te valoriser. Quand tu fais ces trois choses, c'est fini en fait. Tu ne seras plus dans cette prison de vouloir plaire aux autres, coûte que coûte aux autres, parce que plaire aux autres, en fait, tu te mets dans une prison. Donc, même ton bien-être va dépendre des autres. C'est-à-dire que si les personnes qui sont autour de toi sont de mauvaise humeur, tu te sens obligée d'être de mauvaise humeur. Tu ne peux pas être joyeuse parce que les personnes qui sont autour de toi sont de mauvaise humeur. Tu vois, c'est une prison, en fait. À cause des échecs que je suis.
En fait, je pense que Naomi, il faudra que tu m'écrives après. Quand on va finir ce live, il faut que tu prennes le temps de m'écrire en fait, un peu plus près. Je pense que vraiment, en tant que professionnel, il faut que tu t'asseyes, que tu prends un temps pour travailler sur toi. En fait, tu ne peux pas avancer avec toutes ces choses à l'intérieur de toi. Tu peux avoir beau le potentiel, tout ce que tu veux. Mais quand tu es rempli de mauvaises choses à l'intérieur de toi, tu ne peux pas avancer. Au-delà de te nettoyer, nettoyer, c'est là où on parle vraiment de la guérison à proprement dit. Au-delà même de te nettoyer, il va falloir que tu apprennes à retravailler sur toi, à retravailler ton mindset dans le sens où, tu vois, tu parles d'échec. Mais moi, sur mon chemin, j'ai appris une chose. J'ai appris que, en fait, l'échec n'était pas un échec, en fait. Pour moi, quand j'échoue, ça veut dire que non, j'acquiers de l'expérience. Mais c'est une manière de réfléchir, c'est une manière de... Excusez-moi. C'est une manière, au fait, de réfléchir que j'ai appris avec le temps. Ce n'était pas instantané. Ce n'était pas instantané. Parce que quoi? Une personne qui a souvent un problème de rejet est aussi perfectionniste sur les bords. Et un perfectionniste déteste, au fait, l'échec. Déteste que les choses ne se passent pas comme elle veut, au fait. C'est la fin de ce mois. Une personne qui a un problème, qui a cette blessure, au fait, de perfectionniste qui est là, c'est une personne avec laquelle, au fait, on a été très rigide pendant des années. Donc, il faut qu'elle gagne. Il faut qu'elle réussisse. Il faut qu'elle fasse ceci. Il faut qu'elle fasse cela. 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 Et si la personne n'arrive pas, c'est la fin du monde. Je suis un échec. Je ne vaux rien. Ma vie ne sert à rien. Je suis un raté. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez bien. Et toi, mon fait, tu rentres dans ce que j'appelle l'auto-sabotage. Voilà. Tu rentres dans l'auto-sabotage. Parce que tu es tellement enfermé dans ton truc que quand la situation arrive, tu n'as plus le recul nécessaire. Oui, tu as échoué, ça n'a pas marché. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand tu échoues à quelque chose, ça m'arrive d'échouer, hein. Moi, ça m'arrive d'échouer. Je ne vais pas te dire, au fait, Naomi, que tout se passera bien comme tu veux. Si je te dis ça, au fait, je te raconte des bobards. Je te vends du rêve. Ce n'est pas vrai. Tout ne marchera pas, au fait, comme tu veux. C'est comme moi. Je devais me déplacer, au fait. Et un coup, on voit le président Macron qui vient parler pour me dire reconfinement. Donc, tous les programmes que j'ai faits sont tombés à l'eau. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, au fait, en 2020. J'avais fait des programmes en début d'année. Après, boum, premier confinement. Covid est arrivé, premier confinement. Tous mes programmes sont tombés à l'eau. Je me suis dit, c'est pas grave. J'ai relativisé, je suis passée à autre chose. Et là, on arrive à la fin de l'année. Je refais le programme, on fait encore pour faire d'autres choses. Et puis, boum, le président qui arrive encore, reconfinement. Naomi, si c'était toi, au fait, qu'est-ce que tu allais faire? T'allais te dire, mais voilà, c'est toujours moi, mes histoires, ça ne marche pas, c'est pas la peine, ma vie, elle est compliquée, ma vie ne vaut pas la peine. En fait, tu vas rentrer dans une spirale de négativité, au fait. Et c'est important que tu puisses travailler sur ton système de pensée. Tu ne peux pas avancer dans la vie. Tu ne peux pas avancer dans la vie si tu n'apprends pas à revoir ton système de pensée. Impossible. Parce que les échecs là, entre guillemets, tu en as connu au fait, Naomi. Tu vas en connaître d'autres dans la vie. Toute notre vie est faite de ça. Il va falloir que tu apprennes à changer ton approche. Parce que quand tu as une mauvaise image de toi-même, tu doutes de toi-même. Tout ce qui peut t'arriver en négatif, tu le prends vraiment comme un couperet. Tu le prends vraiment comme une sentence sur ta vie. Voilà, je ne vaux que ça, je ne mérite que ça. Moi, 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 moi. Et tu vas, voilà, ton bourbeau fait dans quelque chose de difficile dans lequel il faut sortir. Et là, tes pensées sont complètement paralysées. Tu n'arrives pas à voir du bien, en fait. Tu n'arrives pas à voir du bien dans toutes les situations qui t'arrivent, malheureusement. Tu vois? Parce que tu t'es laissé atteindre. D'abord, prends le temps de nettoyer toutes les choses que tu as reçues depuis, au fait, le début de ta vie. Et maintenant, dans le présent, t'asseoir maintenant, apprendre à gérer les situations gérer les situations de la vie de tous les jours. Une personne qui est blessée, qui est cassée émotionnellement, a du mal, au fait, à tenir les chocs, a du mal à tenir devant les adversités de la vie, a du mal à tenir devant les situations, les imprévus de la vie, au fait. C'était la semaine dernière. La vidéo, elle est sur ma page YouTube où je parlais au fait de la contrariété.
comment quand les imprévus arrivent au fait dans ta vie, les choses que tu n'avais pas prévues, quand ces choses arrivent, comment tu fais au fait? Tu fais concrètement parce que les choses, il faut l'avouer, les choses ne se passeront pas comme sur des roulettes tout le temps dans ta vie, c'est faux. Les imprévus vont arriver, les choses difficiles vont arriver, l'échec va arriver, tout va arriver. Je subis l'échec tout le temps. Oui, ça m'arrive de subir l'échec comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais je m'assois. Après le choc, je m'assois et puis je me dis, Noélie, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? L'une des premières choses que je fais quand je rencontre l'échec, c'est que je m'assois. Je finis d'abord de pleurer parce que c'est important. Ça fait mal au fait d'échouer à une chose. C'est important. Il faut d'abord, au fait, évacuer ses émotions. Donc, si tu as envie de pleurer, tu pleures, en fait. Moi, je ne crois pas au fait que on est censé étouffer nos émotions. Non. Les émotions te sont données pour quelque chose. Donc, voilà, quand tu te sens triste, abattu pour quelque chose, tu pleures. Maintenant, quand tu as fini de pleurer, tu essuies tes larmes, tu t'assois et tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme il faut? Par moments, il y a certaines situations, certains échecs qui t'arrivent dans la vie qui te disent non, en fait, tu ne fais pas les choses comme il faut. Ou tu n'es pas sur la bonne voie. Ou non, il faut que tu te perfectionnes. Il faut que tu fasses encore ceci, il faut que tu fasses cela. C'est pour ça que je te dis que il va falloir que tu apprennes, au fait, à voir l'échec comme une expérience. Ça n'a pas marché. Ok, bah, j'aurais bien voulu que ça marche, hein, mais ça n'a pas marché. Donc, je prends ce temps, au fait, pour travailler sur moi. Je prends ce temps pour réajuster les choses. Je prends ce temps pour apprendre à faire les choses autrement. Ou peut-être je prends le temps vraiment de me sonder pour savoir est-ce que c'est ça réellement qu'il me faut. Moi, je sais que par moment, au fait, j'ai failli me retrouver au fait dans. J'ai failli me retrouver dans un métier que je n'aimais pas, au fait. J'ai failli me retrouver dans un métier que je n'aimais pas. Et quand je suis partie passer le concours, au fait, pour ce métier, j'ai échoué. J'ai échoué. Au début, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait tellement mal d'avoir échoué. Mais quelques jours après, je me suis assise et puis je me suis dit, mais au fait. C'était pas un échec. Je venais au fait de me sortir au fait d'une prison en fait. Parce que si on m'avait reçu, j'allais me lancer au fait dans une formation de 2 ans dans un truc que je n'aimais pas du tout. Et là, j'allais galérer, j'allais galérer, j'allais galérer parce que je me retrouvais dans quelque chose que je n'aimais pas. Alors cet échec pour moi m'a appris à me remettre en question et à me réorienter ma vie, réorienter au fait me retrouver. Savoir exactement ce que je veux dans la vie. Dans ces échecs-là que tu subis ou que tu as subi, Naomi, et si tu prenais le recul nécessaire pour te dire, mais bon, voilà, oui, bon, les choses n'ont pas marché comme j'espérais, mais et si ça là me dit quelque chose, toutes les situations de la vie te disent quelque chose. Mais quand tu es tellement omnibulé par ta douleur, tu es tellement omnibulé au fait parce que tu ressens. Tu n'arrives pas à prendre le recul nécessaire, en fait, de la situation pour te dire, mais peut-être que tu n'as plus ce recul nécessaire, alors que tu es obligé d'avoir ce recul-là pour avoir une autre lecture de la situation, ce qui va te permettre, au fait, de pouvoir passer à autre chose dans la vie. Sinon, tu vas accumuler, au fait, les douleurs comme ça. J'ai échoué, j'ai échoué, j'ai échoué. Et quand, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas te retrouver seul, tu vas te dire, tu vas avoir tous ces échecs-là. Et puis quand ton mindset au fait n'est pas fort, tu vois, tous ces problèmes au fait vont grossir. Ah, j'ai fait ça, j'ai échoué. J'ai échoué, j'ai échoué, j'ai échoué. Ah, finalement, je suis un échec. Ah, moi, rien ne marche dans ma vie. Ah, moi, vraiment, c'est toujours moi. Ah, les autres, ils évoluent dans leur vie. Moi, je suis toujours là. Ah, mais franchement, je crois que je suis maudite. Ah, ma vie ne vaut pas la peine. Ma vie, non. Tu rentres dans une spirale au fait de négativité. Et ça va t'embourber. Ça va t'embourber. Le négatif attire le négatif. Tu ne peux pas être dans un système de pensée négative et vouloir attirer vers toi de bonnes choses, la réussite, au fait. C'est impossible. Tu ne peux pas te dire déjà, tu ne peux pas te voir, t'imaginer être un échec. Ah, moi, de toute façon, moi, mes trucs là, ça ne marche jamais. Et puis croire au fait que tu vas réussir. Non. Il va falloir travailler ton système de pensée. Mais avant d'en arriver même là, il faut que tu prennes le temps au fait de nettoyer à l'intérieur de ton cœur. Parce que toutes ces choses que tu as subies, mais ont laissé des traces en toi. Et tu finis par douter en toi-même. Chaque échec que tu vis, chaque échec que tu vis, sur lequel tu ne prends pas le temps de t'asseoir pour te nettoyer, guérir, en fait, c'est une plaie qui est là. À un moment donné, tu vas commencer à douter de toi. Donc, après, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais que tu es censé te lever pour faire un certain nombre de choses, mais tu es paralysé, en fait, tu n'as pas la force. Tu vas te dire, ah non, je vais essayer encore, je vais échouer.
c'est fini. Tu es paralysé, ta vie est paralysée, tu ne vas aller nulle part. Donc tu vas procrastiner, tu vas remettre tes projets plus tard. Tu vas trouver des arguments. Souvent tu vas trouver des arguments, en fait, tout ça pourquoi? En réalité, tu as peur. Mais tu vas mettre ça sur le compte de non, ah moi mes histoires ne marchent jamais. Non, les histoires de tout le monde ne marchent pas tout le temps. Mais d'autres ont choisi de réfléchir, de penser autrement. D'autres ont choisi de ne pas laisser les échecs avoir le dernier mot sur eux. Ils ont décidé de sortir de leur douleur, de prendre le temps de réfléchir, de analyser la situation et ramener au fait des solutions plus, voilà, mieux pour leur vie. En fait, tout le monde rencontre les échecs dans la vie. Mais si nous tous, on restait... Bonsoir Claire, bonsoir. Si nous tous, on restait au fait sur les échecs, on ne s'en sort pas en fait. Finalement, personne ne fait rien. Parce que tout le monde rencontre des échecs. Si tu rencontres une personne qui t'a dit qu'elle n'a jamais rencontré de l'échec sur sa vie, la personne va te mentir en fait. Les échecs, je rencontre tout le temps. C'est juste que, avec le temps, j'ai préparé mon mental en fait. Ton mental doit être prêt. Tu ne dois pas attendre que les situations puissent changer pour toi, non. Tu dois te préparer à affronter les choses. Mais pour affronter les choses, il va falloir d'abord que tu te nettoies de l'intérieur et que tu apprennes à être fort de l'intérieur. Beaucoup d'entre nous, nous sommes bien à l'extérieur. Nous sommes forts à l'intérieur. On est bien. On a l'air bien portant, portante à l'extérieur. Mais quand on s'approche un peu de nous, quand on creuse un peu l'intérieur, c'est le vide, c'est le chaos, c'est la peur. C'est l'amertume, voilà, c'est la tristesse, c'est la colère, c'est toutes ces choses en fait. Mais il faut savoir que ces choses que tu gardes à l'intérieur de toi te fragilisent. Mais à un point où tu n'as même pas idée en fait. Ça te fragilise. C'est pour ça que moi, mon travail consiste à te dire tout le temps, prends le temps de regarder de près ta vie. Regarde ce qui est à l'intérieur de toi. Ce qui est à l'intérieur de toi te conditionne de l'extérieur. Quand ton intérieur est rempli de mauvaises choses, je t'assure qu'à l'extérieur, tu n'iras nulle part. Tu vas faire semblant. Tu vas faire des grands slogans. Pire. Oui. Oui, au fait c'est un mélange. Au fait c'est comme si la première porte, il s'est passé quelque chose. Mais quand cette chose s'est passée, après, ça a créé la peur. Vos pensées ont été attaquées. Après, ça crée la peur. Et quand ça crée la peur, ça rentre, au fait, sur l'estime de soi. Sur l'estime de soi, ça va paralyser la confiance en soi. Ainsi de suite, au fait. C'est une chose d'abord. Mais ça va avoir des répercussions sur tout le reste. Donc, vous ne pouvez pas, au fait, régler juste ce problème de peur. Il faut remonter à plus loin. Souvent, on aime régler nos problèmes à la surface. La personne va te dire, non, Noélie, moi, j'ai un problème de manque de confiance. Oui, ok. Mais derrière ce problème de manque de confiance, se cachent encore d'autres choses plus importantes, d'autres choses plus enfuies. Parce que cette personne qui m'a posé cette question et qui m'a ramené à faire la vidéo d'aujourd'hui, quand elle m'a dit, Noélie, je doute de moi-même, je lui ai dit, au fait, vous n'avez pas un problème de doute de vous-même. Vous avez un problème d'identité, au fait. Un problème d'identité. Quand je parle, moi, je parle de l'identité. Dans l'identité, je te ramène au fait dans ton estime de soi. Je te ramène dans la confiance en soi, au fait. C'est tout ça qui fait ta personne. C'est tout ça qui définit, en fait, la personne que tu es. Et si ces choses, au fait, sont à l'intérieur de toi, sont cassées ou sont inexistantes, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part parce que ça va créer autre chose en toi. C'était avant-hier, je parlais avec une personne qui m'expliquait un problème. Elle m'expliquait un problème par rapport à ses finances. Et je lui donnais, au fait, des solutions. Elle m'a dit, oui, Noélie, tu as raison. Mais voilà, je n'arrive pas à aller au bout. C'est vrai que je peux gagner plus d'argent, mais je n'arrive pas à aller au bout de mes projets. Et là, j'ai retorqué à la personne. J'ai dit, tu vois, en fait, tu n'as pas en réalité un problème de finance. Tu as un problème de procrastination qui provient au fait de ta blessure de perfectionniste. Parce que tu es quelqu'un de tellement perfectionniste. Quand les choses ne sont pas parfaites à 100%, tu n'es pas bien. Donc, tu préfères même abandonner les projets en cours de chemin. Tu pourrais même revenir sur une parole que tu as donnée pour faire un travail au lieu d'aller jusqu'au bout. Donc, au lieu de dire que non, j'ai un problème de finance, j'ai un problème d'échec, j'ai un problème de ceci. Et si tu voulais fouiller plus loin, je lui ai dit non, tant que tu ne régleras pas ce problème au fait de perfectionniste qui te pourrit la vie, ça va te ramener dans la procrastination. Et cette procrastination, ça va forcément avoir de l'incidence au fait sur tes finances à un moment donné parce que
Tu n'arrives pas à respecter le contrat que tu as. Tu n'arrives pas à respecter, au fait, les paroles que tu donnes aux autres. Et ça va avoir des répercussions sur toi. Ce n'est même pas sorcier. C'est fait pour par moment, vous cherchez les trucs loin. La solution est juste à côté de vous, en fait. Oui, c'est ça, au fait, Jésus m'a vu. Voilà. J'aime bien, au fait. J'ai épinglé, au fait, ta réponse. C'est ça, au fait. Quand tu grandis dans un environnement dans lequel, au fait, on ne t'a jamais encouragé à faire quoi que ce soit, on ne t'a jamais valorisé, on ne t'a jamais dit que non, tu peux, on ne t'a jamais dit que non, tu vas y arriver, que tu es intelligente, que tu es ceci, que tu es cela, tu vas grandir avec la peur, en fait. Tu vas grandir rempli de peur. J'étais une personne peureuse pendant des années, incapable d'aligner deux phrases. Donc, venir parler devant vous, j'allais bégayer, j'allais fuir depuis. Pourquoi? Mais parce qu'on ne m'a pas appris dès l'enfance. On m'avait pas dit que j'étais capable de faire les choses. C'est pas ce qu'on m'a dit, en fait. Donc, j'ai grandi avec toutes ces lacunes en moi. Et que, à un moment donné, mais ça m'a rattrapée. J'étais devenue adulte, mais une adulte, mais peureuse, remplie, au fait, de mauvaises choses à l'intérieur de moi. Je n'arrivais pas à faire les choses comme il fallait dans la vie. Et pendant des années, malheureusement, au fait, j'ai attaqué les démons, j'ai cru à plein de trucs, j'ai cru que j'étais maudite, que ma vie n'avançait pas, que voilà. J'ai fait plein de trucs, jusqu'à ce que je comprenne, au fait, que non, au fait, il y a quelque chose qui n'allait pas avec moi. J'avais peur de tout. Je ne savais pas faire les choses. Oui, je savais prier. Mais dans la vie de tous les jours, je n'arrivais à faire quoi que ce soit parce que je ne savais pas comment faire les choses. On ne m'avait pas appris, en fait, à affronter les situations. On ne m'avait pas dit que j'étais capable de faire les choses. Donc, je ne savais pas que j'étais capable. On ne m'avait pas dit que non, Noélie, tu vas rencontrer l'échec dans ta vie, que c'est comme ça. Mais ce n'est pas une finalité. Il faut que tu avances, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Tu vois, Naomi, regarde bien ce que Jésus vient de te dire. Derrière tout comportement que tu as maintenant, elle a sa source quelque part, au fait, dans ta vie. Donc, pour l'instant, laisse toute cette histoire de manque de confiance en soi, peur et tout ça. Va à la source. Qu'est-ce qui a créé, qu'est-ce qui a engendré tout ça? Parce qu'on peut bien vouloir traiter le manque de confiance, la peur et tout ça. Mais si on ne s'attaque pas à la racine du problème, dans 6 mois, dans une année, dans 2 années, tu vas retomber dans le même travers, en fait. Parce que la source du problème n'a pas été traitée. Et le but, c'est pas que tu fasses des rechutes, que tu rechutes dans les mêmes choses, dans les mêmes choses, dans les mêmes choses, dans les mêmes choses. Non. C'est que tu puisses prendre le temps nécessaire pour te nettoyer. Nous sommes dans une génération où on est tellement pressé. On est pressé, on est pressé, on est pressé. On est tellement concentré sur l'extérieur et très peu de choses à l'intérieur. Ce qui fait que on retrouve des personnes qui ne sont pas consistantes de l'intérieur, en fait. Alors que ta vie, tout ce que tu peux faire à l'extérieur dépend de ton intérieur. Dépend de ton intérieur. Tu as un problème de manque de confiance, ok, je suis d'accord avec toi, mais il faut que tu saches que ça n'a pas commencé par ce problème de manque de confiance en soi. Ça a commencé par un problème bien plus profond que ça. Il faut que tu ailles chercher, au fait, la source de ton problème et que tu le règles. Quand tu vas le régler, tu vas voir qu'automatiquement, tout le reste, au fait, va se régler. Il y a des gens qui sont malades. J'ai une amie qui est médecin. Elle est psychiatre. Elle me dit, Noélie, tu sais, il y a d'autres personnes qui arrivent, au fait, en psychiatrie, qu'on voit, qu'on met en traitement, on les met sous antidépresseurs, tout ça. Mais à un moment donné, quand on regarde bien la personne de près, on se rend compte que il y a des choses à l'intérieur de la personne qui ne vont pas. Par moment, la personne a un problème de manque de pardon qui est là. La personne a un problème avec ce problème de rejet, plein de trucs qui sont à l'intérieur. Elle me dit, Noélie, on est obligé de repartir, aller traiter ces choses. Sinon, ça veut dire qu'on n'a pas attaqué, au fait, la source du problème de la personne. On va donner des médicaments à la personne va devenir dépendante des médicaments, mais son problème, au fond, ne sera pas pour autant réglé, en fait. Cherchez à régler vos problèmes
vraiment à la source. Ne vous contentez pas au fait des solutions à la surface. Je vous assure, si vous réglez vos problèmes à la source, quelques temps après, vous allez rechuter dans les mêmes choses. Après, vous allez dire non, ah, ces personnes qui nous parlent, ils sont même pas bien dans leur travail, ils ne font pas leur travail comme il faut. Non, c'est juste que il y a des principes au fait que tu dois respecter. Et ce principe demande que tu repartes à la source de ton mal-être, de ton problème. Et quand on parle de la source, souvent c'est ton passé, souvent c'est ta famille, souvent c'est ton environnement dans lequel tu as grandi. Voilà là où commencent en fait la plupart de tes problèmes. Mais est-ce que tu es assez courageux? Est-ce que tu es assez courageuse pour pouvoir affronter ces choses, les regarder en face? Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons grandi et qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes maintenant dans le déni. On est dans le déni. On est devenu quelqu'un, des personnes très rationnelles, dans le sens où on dit non, on a minimisé un certain nombre de faits. Je rencontre ça tout le temps, en fait, dans mon travail, en formation ou en accompagnement individuel. La personne te dit, oui, Néoli, tu sais, j'avais vécu telle chose, mais bon, voilà, c'est pas grave et tout. C'est pas une question, c'est grave ou pas. On est en train de parler, en fait, des conséquences de ce que tu as vécu. Les choses que tu as vécues ont laissé des cicatrices, ont laissé des plaies en toi, et ces plaies, il va falloir qu'on les regarde de près pour pouvoir les soigner, en fait. Comment veux-tu qu'un médecin te guérisse, te soigne? Ah, non, pas guérisse. Quand un médecin te soigne, si tu n'arrives même pas à reconnaître au fait que tu as un problème, souvent c'est ce que nous faisons. Le médecin va te demander les symptômes. C'est quoi les symptômes? Ok, ah médecin, voilà, j'ai peur, j'ai un problème de manque de, j'ai un manque de confiance en moi, des trucs comme ça. Le médecin va te dire, ok, j'ai compris, mais ça c'est juste les symptômes. C'est juste les symptômes. C'est pas la maladie. La maladie elle-même est quelque part d'autre. Et c'est le médecin qui te donne le diagnostic pour te dire, voilà, en vue des symptômes que tu m'as décrits, voilà, tu as telle maladie. Et pour telle maladie, il te faut tel type de traitement, en fait. On ne traite pas les symptômes. On traite la maladie. Donc là, vous arrêtez sur le manque de confiance en soi. C'est juste les symptômes. La maladie, elle est autre part. Trouver la maladie. Je répète, trouver la maladie. La maladie là, ça peut être les blessures intérieures. Voilà, ces choses que vous avez reçues depuis l'enfance, qu'il va falloir travailler sur ça. Guérir, après avoir guéri maintenant, retrouver cette identité, reconstruire cette estime de soi, reprendre sa vie en main, affronter les choses pour pouvoir avancer dans la vie. Voilà ce que je voulais te dire pour ce soir. Donc, si tu es dans cette vidéo et que tu veux passer à un autre niveau, n'hésite pas au fait à m'écrire. À m'écrire vraiment pour qu'on voie ce qu'on peut faire pour toi. Que ce soit sur ma page Instagram ici ou sur mon site internet noelipanda.com. N'hésite pas à m'écrire et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Derrière ce problème de doute dont tu entends de me parler, au fait, se cache quelque chose de plus profond, 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 profond. Donc, il va falloir que tu regardes de plus près. Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, je réponds aux questions. Je réponds aux questions maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Au-delà des vidéos que je fais ici, je fais des vidéos aussi sur YouTube. Je sais que, bon, il y a des personnes qui sont sur Insta, qui ne sont pas du tout sur Facebook. Donc, le reste de mes vidéos fait sont sur YouTube. Donc, voilà, là-bas, je parle de tout. Il y a pratiquement 160 vidéos qui parlent de toutes ces choses dont je vous dis ici, mais en plus en profondeur, en fait. Donc, n'hésite pas, en fait, à faire un tour sur ma page, ma chaîne YouTube, Noélie Panda, toujours, pour pouvoir voir, en fait, les vidéos qui sont là-bas, qui vont t'aider à passer à un autre cap de ta situation. J'attends les questions. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde, je regarde, je regarde. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je regarde, hein? Je suis là, je regarde. Merci d'être là ce soir. N'hésitez pas au fait à partager. Si cette vidéo vous a fait du bien, n'hésitez pas au fait à la partager dans vos stories pour pouvoir aider d'autres personnes. Est-ce que vous pensez que si on ne se souvient plus de notre enfance, gros trou noir, c'est dû à un choc qu'on a subi ou c'est normal? Il y a deux possibilités. Quand on subit un choc, notre cerveau, au fait, se met en mode protection.
Donc, c'est ce qui se passe, c'est ce que les médecins appellent soit l'amnésie totale ou l'amnésie partielle. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont vécu un certain nombre de choses qui vont vous dire après, mais au fait, Noélie, on a oublié. Noélie, j'ai oublié. Ah oh, on a oublié. Souvent, on entend ça, souvent dans les cas de viol ou d'inceste, des choses comme ça. La personne se réveille 30 ans après ou 35 ans après. Ah, j'ai subi des choses. Et c'est un scandale. Ah, oh, pourquoi elle n'avait pas parlé depuis? Pourquoi? Pardon, pourquoi elle n'a pas dit? Pourquoi? Parce que bah, le cerveau de la personne, au fait, n'a pas supporté le choc. Elle s'est mise en mode protection. Mais le temps va arriver où ces brides, au fait, les brides vont recommencer, au fait, à venir. Et en tant qu'enfant de Dieu, là, je parle à toi personnellement, Jésus, ma vie. Il y a une saison de notre vie où Dieu lui-même prend la décision de faire remonter les choses à la surface. C'est comme ça, tu vas voir, il y a des saisons qui vont arriver. Il va commencer à tirer ton attention sur un certain nombre de choses. C'est des alarmes, en fait, qui te donnent. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où la prière rentre en question, dans le processus de guérison, où on peut prier maintenant, poser la question à Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux me dire, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux comprendre. Et le Seigneur peut faire remonter les choses à la surface. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Il y avait des choses au fait où c'est comme si au fait on avait effacé ça au fait de ma mémoire. Mais c'est des choses que j'avais subies et qui me détruisaient au fait maintenant dans le présent. J'étais très dysfonctionnelle, mais je ne savais pas c'était dû à quoi. Il y avait une saison où le Seigneur vraiment m'interpellait sur un certain nombre de choses au fait. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Anare Senga. Le Seigneur m'interpellait sur un certain nombre de choses dans ma vie. C'était comme si c'était des flashs qui revenaient. Donc, dans cette période-là, qu'est-ce que j'ai fait, au fait? Ben, j'avais pris un temps où je suis vraiment partie chercher la face du Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi je suis autant dysfonctionnelle? Pourquoi telle chose? Et c'est là où les flashs sont revenus. C'est revenu vraiment sous forme de flash, au fait. Pour d'autres personnes, ça peut revenir sous forme de songe, où la personne se revoit, au fait, dans l'état. En l'état, à l'époque où les choses se sont déroulées, ça peut revenir. Ça peut revenir. Le but, ce n'est pas de les. J'attends que vous m'écrivez, en fait, c'est vous qui voyez Naomi. Le but, ce n'est pas de provoquer la chose. Le but, c'est que quand la saison arrive et que bah, le Seigneur veut travailler ces choses à l'intérieur de vous, il va commencer à vous mettre déjà sur des pistes. Et c'est à vous maintenant de vous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Quand tu vas dire, qu'est-ce que je veux me dire, Seigneur, il va venir maintenant pour ouvrir vraiment tes yeux. Mais il faut savoir aussi, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Parce que d'autres personnes, souvent, il y a la peur, en fait. Est-ce que tu es prête? Parce que par moment, vous savez, il y a à peine un mois, j'ai vécu quelque chose de très difficile. Il s'est passé quelque chose et j'avais vécu un très gros coup, en fait, dans ma vie. Et j'étais assise là, je posais la question à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux que tu m'expliques. Je veux comprendre. Et quand la chose est arrivée, des mois après, quand le Seigneur est venu vraiment me révéler ce qui s'est passé, le choc a été très, très fort. Je crois que pendant une semaine, j'ai été assommée. Donc, tu peux demander à voir, mais il faut que tu sois prêt, au fait, pour ce qui va arriver. Est-ce que c'est normal qu'il y a ce gros trou noir? Oui, ça peut arriver, c'est normal. Mais il faut te dire aussi derrière ça, faudra pas que ce soit une forme de déni, au fait. Aspire à voir ces choses. Maintenant, si le Seigneur se charge de te les montrer quand il veut, au fait. Parce qu'il faut que tu les traites. Alors, prends la décision, en fait, Naomi. Oui, si tu es fatiguée, donc ça veut dire que là, ça y est, tu es sur la bonne voie, au fait, pour pouvoir sortir de cette situation. Je ne me souviens de rien de mon enfance avec mes parents. T'es sûr que je trouvais pas ça normal. Non, c'est pas normal. Tu ne peux pas oublier tout de ton passé comme ça. Et tes parents eux-mêmes, ils peuvent pas tu peux pas aller chez tes parents, leur poser des questions. Quelle est la relation que tu as avec tes parents actuellement, en fait? Parce que par moment, bah, la relation était tellement difficile, hein, que bah, on pouvait mettre ça quelque part, en fait. On met ça quelque part loin et puis on avance.
chaque être humain, tu dois avoir au moins des brides, au fait, de ton histoire. Parce que imagine que maintenant, tu deviens parent à ton tour et que tes enfants commencent à te poser des questions. Qu'est-ce que tu vas leur dire, au fait? Avoir tout ce grand trou, une grande partie comme ça de ta vie, c'est pas normal, au fait. Donc, je pense que ça doit être quelque chose sur laquelle, au fait, tu dois te pencher. Vraiment, hein? C'est mon avis, au fait. Jésus, ma vie. Je pense que ça doit être quelque chose sur laquelle. Bonsoir à elle. Je pense que c'est quelque chose sur laquelle tu dois te pencher dans cette saison pour revenir là-dessus. Tu dois voir clair, au fait. Ton histoire ne peut pas être floue pour toi, au fait. Surtout ton enfance, parce qu'elle remporte beaucoup de choses. Tu vois. Ta part est de demander au Seigneur, et lui, son rôle, c'est de te les montrer, surtout quand tu seras prête à affronter cela. Vraiment important. Important, très 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 important en fait. Moi, je sais que bon, il y a des pans de mon histoire que j'avais oubliés, mais qui sont revenus avec le temps en fait. C'est revenu avec le temps. C'est revenu avec le temps au fur et à mesure que j'avançais dans mon processus de guérison. Il y avait des choses qui remontaient parce que bah, j'étais prête maintenant. Émotionnellement, j'étais prête psychologiquement en fait à affronter ces choses. Donc ces choses sont remontées petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Naomi, si tu es fatiguée, je t'assure que ça y est, tu es sur le bon chemin au fait. N'oubliez pas, hein, partager cette vidéo dans vos stories. Pour pouvoir aider ne serait-ce qu'une personne. Si cette vidéo vous a fait du bien, c'est sûr que quelque part, ça va aider une autre personne. C'est beaucoup d'entre nous, nous sommes vraiment sous ce problème de doute. Et quand vous doutez de vous-même, c'est très difficile d'avancer dans la vie. On va voir les autres évoluer, on va voir les autres faire des choses, on va voir les autres avancer. Et puis nous, on est là, au fait. On fait du surplace, les années passent. On est au même point, on est au même point, on est au même point et on finit amer. Très, très, très amer. Je sais de quoi, au fait, je te parle. Mais il ne faut pas que ce soit ton cas. Vraiment, il faut que tu fasses tout. Il faut que tu te battes. Battes sérieusement, au fait, pour sortir de là. Faut que tu te battes pour sortir de là. Je sais que ce n'est pas forcément un message qui est drôle, qui est bling-bling. Qui voilà, bon, souvent ça n'attire pas trop les foules parce que bah, je parle souvent en fait des choses qui sont pas très plaisantes, des choses que on a souvent tendance en fait à mettre de côté, à occulter, mais ça fait partie. Ça fait partie de vous en fait. Et tant que vous n'allez pas régler ça, en fait, vous n'allez pas pouvoir avancer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions en fait? En tout cas, si vous allez sur ma chaîne YouTube, je crois que Jésus, ma vie, elle est partie faire un tour. Elle a vu que bah, il y a beaucoup de vidéos qui vont vraiment vous aider dans ce travail. Oui, c'est pour ça en fait, quand souvent on me dit coach, moi je ne me considère pas comme un coach. Je me vois plus comme une thérapeute en fait. Une thérapeute, parce que bon, le coach, il est souvent dans la motivation. On te motive. On ne motive pas une personne qui est blessée. On ne motive pas une personne qui est blessée. Non. Parce qu'une personne qui est blessée est vide de l'intérieur. La personne n'a pas de force nécessaire, en fait. Et même peu importe la motivation que vous allez lui donner, la personne va être motivée aujourd'hui. Au bout de 3-4 jours, la motivation, elle va partir. Quand une personne est cassée de l'intérieur, il faut d'abord le réparer. C'est comme si, au fait, tu es un vase. Bonsoir, Daughter of God. C'est comme si ta vie, au fait, ton cœur est comme un vase, au fait. Et cette vase-là a subi des coups. Donc, elle est fissurée, voire même complètement brisée. Il faut, on ne peut pas dire à ce vase, viens là, on va te mettre là pour orner la maison. Non. Il faut d'abord réparer ce vase. Il faut d'abord enlever les saletés, le réparer, mettre tout ce qu'il faut, le remettre en état. Et quand ils seront en état, maintenant tu peux lui dire, tu es prête, au fait, bonsoir. Tu es prête maintenant à être exposée, au fait.
Je peux faire de la motivation. D'ailleurs, c'est ce qu'une personne m'a conseillé la dernière fois. La personne m'a dit, ouais, Noélie, tu vois pas que non, franchement, t'as pas beaucoup de personnes qui te suivent et tout. Ta page, elle draine pas beaucoup de foule. Tu veux pas faire de la motivation? J'ai dit, je ne suis pas motivatrice. Je suis dans la guérison intérieure. Et je ne cherche pas forcément la foule, au fait. Je cherche des personnes qui sont cassées. Je cherche des personnes qui sont brisées. Je cherche ces personnes, au fait, qui souffrent dans le silence, à qui, au fait, on ne s'adresse pas toujours, qui ne savent pas comment faire pour sortir de leur situation. Ce sont ces gens, au fait, à qui je parle. Et souvent, bah, elles ne se montrent pas. Bah, donc, on va rester là. On va parler. Parler, parler encore. C'est comme souvent, en fait, je me considère comme comment ça s'appelle, Jean-Baptiste dans le désert. Je dis souvent, je suis la voix, en fait, qui crée dans le désert. Guérissez-vous. Soignez votre intérieur. Soignez-vous. 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 La motivation, je vous assure, j'aime beaucoup la motivation. Mais pour d'autres personnes, elles n'ont pas d'abord besoin de motivation. Elles ont d'abord besoin de guérir. Après, quand elles sont guéries, elles sont restaurées, elles sont sur pied, on peut les motiver. Oui, au fait, oui, Naomi, c'est ce que je rencontre tout le temps dans mon travail. J'aurais dit, arrêtez de motiver les gens, en fait. Si vous voulez motiver les gens, sachez au fait voilà, qui vous allez motiver. Quand une personne est brisée, ne lui donnez pas des paroles de motivation. La personne va prendre ça sous l'émotion. Oui, tu es fort, tu es courageux, tu peux, tu peux. La personne va bien commencer. Mais 3, 4 jours après, le naturel va revenir au galop. Donc, c'est-à-dire que non, sa peur va revenir. Le doute va revenir. Plein de choses vont revenir et la personne va abandonner en fait. Et moi, alors que quand moi tu viens avec moi et qu'on prend le temps de te nettoyer de l'intérieur, en fait, ta force, la chose qui va te propulser, ce n'est pas ce qu'on te dit à l'extérieur. La motivation, elle vient de l'intérieur. Elle vient de parce que tu t'es découvert. Elle vient de parce que tu viens de te rendre compte de qui tu es en fait. Elle vient du fait que ben, tu te rends compte que bah, tu es précieux, tu es précieuse. Et que voilà, il y a un certain nombre de choses au fait qui sont à ta portée, que tu es capable de faire au fait. Et que tu n'es plus au fait dans cette peur, dans cette validation, tu n'es plus dans tout ça. Donc tu cours. Et c'est là où tu deviens inarrêtable au fait. Parce que voilà, tu n'as plus besoin de béquilles. Tu n'as plus besoin de ces béquilles que tu as maintenant au fait. Quand tu as besoin de motivation pour avancer, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Quand tu as besoin de motivation pour avancer, ça veut juste dire que tu n'es pas prêt. Parce que dans cette vie, je t'assure qu'il va arriver des moments où tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps, en fait. Tu ne peux pas suivre la motivation. On ne peut pas tout le temps te motiver. Non, non, non. Vous voyez, aujourd'hui, je travaille sur Facebook. Je suis sur YouTube. Je suis sur Insta. Ça m'arrive aussi d'être sur TikTok, mais je ne suis pas assez active sur TikTok. Depuis lundi, je ne fais que parler. Depuis lundi, je fais le tour au fait de mes réseaux. Voilà. Lundi, j'étais en accompagnement avec une personne. Mardi, j'étais sur YouTube. Mercredi, hier, je devais intervenir dans un séminaire pour les hommes. Donc, hier, j'étais en train de parler. Aujourd'hui, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Je pouvais me dire, non, Nelly, vas-y, lâche l'affaire et tout, fais autre chose. Mais non, la motivation ne m'a pas suffi. Là, maintenant, c'est la discipline. La discipline m'a dit que non, tu as dit aux gens que tu seras là aujourd'hui, jeudi. À 21h. Donc, tu te lèves et tu vas faire ce que tu as à faire. Et je suis là. Et demain, je serai encore sur YouTube ou sur Facebook, quelque chose comme ça, ainsi de suite, au fait. La motivation n'est pas suffisante. À un moment donné, il faut de la discipline. Et quand on parle de discipline, ça requiert un certain nombre de choses à l'intérieur de toi, au fait. Ah ouais. Ça requiert un certain nombre de choses. Oh, voilà. D'accord, Naomi, écris-moi. Et puis on va voir. J'ai plusieurs services au fait que je propose aux personnes qui sont dans ce cas, qui sont blessées. Il y a des entretiens individuels qui sont, voilà, qui se font en une fois. J'ai les accompagnements. Non, j'ai les entretiens. Voilà, ça c'est les séances en une fois. Quand le cas de la personne n'est pas trop complexe. Non, c'est-à-dire que l'entretien, ça dure 2 heures. Souvent, je travaille par Zoom. Dure 2 heures sur Zoom. Pour d'autres personnes, quand la situation devient très, très, très complexe, bah, on part sur un accompagnement de 1 mois, en fait. 1 mois.
à raison d'une séance au fait par semaine sur Zoom. Le reste du temps, on échange au fait par WhatsApp. Voilà, un mois. Et si au bout d'un mois, si la personne capte tout ce qu'il y a à faire, c'est bon, on arrête. C'est pas moi qui décide d'arrêter, c'est la personne qui se dit, Noélie, maintenant, j'ai toutes les armes au fait qu'il me faut pour pouvoir continuer ce travail sans toi. Malgré que je viendrai toujours au fait de savoir là où tu en es. Mais voilà, je te donne toutes les clés qu'il te faut pour pouvoir affronter ce travail que tu vas faire. Et le troisième service, c'est la formation que je fais. Là, la formation est en cours. Elle dure 2 mois et c'est en groupe. La formation, c'est en groupe. Les autres services dont je viens de parler, au fait, c'est le one-to-one. On est à tête seulement. Mais la formation, c'est en groupe, mais pas beaucoup de monde. Souvent, je fais les groupes de maxi 5 personnes, en fait. Et pendant 2 mois, on reste là, où je t'enseigne. La formation, je prépare des cours. C'est des cours qui sont préparés sur une plateforme spéciale. Quand les personnes finissent leur règlement, au fait, font leur paiement, ils ont accès à la plateforme. Donc, ils ont les cours. Ils ont accès au groupe privé et chaque semaine, au fait, je viens par Zoom pour faire le point. On travaille ensemble par Zoom, au fait, et là, on reste là pendant 2 mois. Pendant 2 mois, on fait les choses, on fait les choses, on fait les choses, on fait les choses. Voilà ce que je propose concrètement, au fait. Parce que guérir, au fait, c'est pas quelque chose qui. C'est pas instantané. La guérison n'est pas instantanée. La guérison, c'est un processus. Parce que dans la guérison, vous avez énormément de choses. Je peux prendre la formation Choisis la vie. Elle dure 2 mois. En 2 mois, il y a au moins, je crois, il y a 21 cours. 21 cours. Et au-delà de ces cours, je reviens encore pour parler, pour compléter les choses. Donc, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu quand on parle de la guérison intérieure. Je sais qu'on vous en parle, hein, de la guérison des blessures intérieures sur les réseaux. On vous en parle. Mais moi, je suis formée à ça, en fait. Il y a des choses que vous entendez, qu'on vous dise, qui sont vraies, mais il y a d'autres choses qui, par moments, au fait, qui sont erronées, qui rendent le travail très difficile pour vous, au fait. Donc, quand je prends les personnes, c'est là où on démêle le faux du vrai. C'est ça, là où, ce qui me différencie du coach. Le coach est dans comment s'appelle le truc? Est dans la performance. Moi, je viens te soigner de l'intérieur, au fait. On repart dans ta vie. On repart dans les choses. Des choses difficiles. Tu t'apprends à faire les choses. Tu vas apprendre à travailler sur toi-même, au fait. Parce que je ne veux pas travailler pour toi. Je te montre comment faire et je te laisse faire. Je suis à côté de toi, je te regarde. Je te suis à la tresse. Je reviens. J'appuie. Quand tu cales par moment, je viens. Je t'explique les choses et tu avances jusqu'à ce que tu changes ton état. Voilà mon travail à moi, en fait. C'est ça qu'on appelle. Comment ça s'appelle? C'est ce qu'on appelle au fait la relation d'aide. La relation d'aide, une personne qui travaille dans la relation d'aide, c'est quoi? C'est une personne qui travaille justement à la restauration, à la guérison des blessures intérieures, aider les personnes à reprendre leur vie en main, mais qui utilise et la parole de Dieu et la psychologie au fait. Les deux au fait. Parce que la psychologie m'aide à pouvoir comprendre ce qui t'arrive. La psychologie m'aide à pouvoir t'expliquer ce qui t'arrive au fait. Pourquoi tu es dans cet état-là? Qu'est-ce qui a créé ces choses en toi? Et puis après, on revient au fait, en tant qu'enfant de Dieu, on revient dans la parole de Dieu pour pouvoir t'aider à rectifier les choses et avancer. Voilà, c'est quoi la relation d'aide concrètement parlant? C'est ça au fait. C'est ça la relation d'aide. C'est pas autre chose. Voilà la relation d'aide. Donc, souvent, c'est seulement tout ce qui a attrait à votre vie de l'intérieur. Les blessures intérieures, l'estime de soi, l'identité, la confiance en soi. Ceci, voilà. C'est ça, en fait. C'est ça. Tout ce qui concerne votre vie de l'intérieur. Moi, je ne parle que de ça. Je ne parle pas d'autre chose, en fait. Pour les personnes qui me connaissent, ça fait 4 ans que je suis dans ce travail. Chaque année, je répète les mêmes choses. Je ne change pas de message parce que je ne veux pas faire comme les autres. Je connais ma mission, je sais pourquoi je suis là et je reste focus au fait sur ce que j'ai à faire. Donc, Naomi, si tu veux m'écrire, n'hésite pas. Les autres personnes qui sont là, la vidéo va rester en replay. Si vous voulez aller plus loin, écrivez-moi ou il y a d'autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube Noélie Panda, toujours, qui vont vous aider à pouvoir passer à un autre niveau. S'il y a un peu de questions, je vais vous laisser. Il est un peu tard, il est 22h15.
Je vais vous libérer à vos occupations. Prenez soin de vous. C'est très important. Et puis, bah, si tout va bien, par la grâce de Dieu, on se voit la semaine prochaine à la même heure. On va parler de quoi? Je n'ai aucune idée. Ça va dépendre de l'inspiration que je vais recevoir dans la semaine. Allez, ciao, ciao. Bye bye.